T'es là, tu médites tranquille, et là t'as un singe qui te défonce à coups de bâton. C'est vrai que je suis pas très gentil, mais bon. Il faut bien, hein. Oula. Ah ouais. Donc c'est pas du tout un boss, hein, c'est... Trash mob. C'est pas du tout un boss. Par contre l'autre il avait les yeux bleus, ça veut dire que c'est un esprit. Ah par contre ça donne un noyau mental, ça c'est cool. Ça c'est de la bonne. En tout cas, sacré baraque, hein. Ça y va, les placements de produits, mon gars, je te le dis. Bon, bah écoutez, je vais continuer par là-bas. J'ai l'impression que j'ai fait un gros détour pour rien. Il n'y avait pas grand-chose, en fait. Je suis un petit peu désappointé. C'est pareil, là-bas, qu'est-ce qu'il y a, du coup? Pas mal, non? C'est chinois. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Ok, petite perle. Lui, par contre, ouais, il est bleu, il est plus fort. Merci, Rule 34, pour le 22e mois. Doom a changé, ouais. Doom, il a changé, et je pense que vous le savez mieux que moi. Ah, celui-là, il est bleu. Ah ouais. Le feu contre le feu, c'est bien connu, ça marche. Je lui ai rien enlevé. Ouais, d'accord. Toi, on va te skip, hein. Ouais. On va skip. Là, ce qu'il me faudrait, c'est un checkpoint. C'est lui est cher. Oh putain. Ouah. Je peux plus. Oh non, pas un boss. Je vais enlever que ça? Ah oui. Ah oui. Ouais, c'est trop dur.
C'est trop dur, j'avais pas Regen depuis trop longtemps là. J'ai fini le jeu aujourd'hui, c'est le genre de jeu, oui. Ou paradoxalement, pardon, quand tu es au milieu de l'aventure, tu es rassasié. Puis quand t'as fini, tu restes sur ta faim, tellement c'était cool, et que t'en voulais plus. Moi, je trouve ça beau. Sentiment idéal. Le vrai boss, c'est les amis qu'on s'est fait sur le chemin. Oh! Oh! Ouais, bon. Ah d'accord. C'est nouveau ça. Bon, est-ce qu'on peut le tester lui maintenant? On va se le faire. Ah, il les a bousillés. Ah ouais. Il les a déjà bousillés. Eh ben mon cochon. Ça c'est dommage. Bon, je pense que lui du coup ça va être l'esprit, hein. Ouais, c'est ça. Ok, let's go. Donc c'est bien l'esprit. Est-ce que je peux tester le boss de droite du coup? T'empêches la DA. Regardez-moi ça, putain. Que je peux éviter de drag l'aggro, non? Eh merde, j'ai attiré l'aggro au secours. Il mourir. Oh, attention, range ton caillou. Allez, on te baise. Pas ouf. Bah alors? Allez, on le baise, regardez sa vie. Allez, dans le coin, dans le coin. Adieu. Force rage, je m'en bats les couilles. Ouais, les clones, c'est bien pété du cul. Impur. Bon, ça nous fait un boss de plus, mais toujours pas de boss principaux. Qu'est-ce qu'on pourrait monter? Il y a toujours ça, hein, qu'il faut continuer à monter. Il y a l'attaque, il y a les mèches.
Transformation, beaucoup de choses à monter en fait. Bon, déjà, il faudrait monter au moins une fois ça. Voilà, comme ça, les invoques peuvent lancer des sorts, c'est bien. Bon, j'ai envie d'aider un. Donc, ça nous le faut. POV Titouan en primaire qui se fait voler son goûter. Ouais, c'est bien fait enculé là. Là, RIP une pisse. C'est bien fait bousiller la gueule. Chaque niveau de talent augmente légèrement les dégâts infligés par les attaques lourdes écrasantes chargées. Réduction des dégâts après une attaque lourde chargée. Confère massivement de la concentration lorsque frappe incisive, perd sa jour et touche l'ennemi. Ça peut être sympa. Tiens, la trad est différente sur PC, il s'appelle Non Pur. Ah, je joue sur PS5, il s'appelait aussi Non Pur. Sur PS5 aussi avant la mage. Ah, c'était suite à une mage alors, visiblement. Come on! Non, je me fais pas les deux en même temps. Non, non, la flemme, la flemme. Je le dis, non, la flemme. Bon, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ah, les deux en même temps, j'ai pas envie. Un mur invisible. Le jeu est cool, ouais, Loupachou. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Encore une fois, si vous aimez les Souls, je vois pas pourquoi vous aimeriez pas celui-là, même si c'est pas un pur Souls. C'est de la bonne. Ouais, pourtant j'ai tout exploré. J'ai l'impression qu'on n'a pas tant avancé que ça sur ce live. Beaucoup d'allers-retours, mais visiblement c'est une zone qui est énorme. Ah. Un checkpoint. Un checkpoint. Mais bon, tant pis, hein. C'est pas grave. Au moins on aura exploré le délire. Allez, là ça sent le méga gros boss là. Là ça sent le crabe de neige ou le gros dragon sa mère. Allez, bon courage à tous. Ouais, je pense qu'il me reste des trucs à trouver hein, dans la neige. Ça m'étonnerait pas. J'irai jeter un œil en off. Encore lui là. T'as grandi ou c'est moi là? Oula, ça sent le boss final du chapitre ou quoi là? Après, j'espère que j'ai pas loupé beaucoup de trucs quand même, parce qu'on a vraiment pas mal exploré le délire. Il a pris 70 ans dans la gueule. Ah ouais.
C'est tout? Oh, la vieille immobilisation. Je me doute de la phase 2, c'est ça que je garde les clones. À l'aide. Oula, c'est scripté là, qu'est-ce qui se passe? Il va m'aspirer dans sa lampe magique! Je veux pas être ton génie, enculé! Je suis son génie. Ça va, c'est pas inquiétant. Attends, on est dans sa jarre là, dans son sac, incroyable. Ouais, je me doutais qu'il y avait Oolong. Ah, y'a chef macaque et Oolong. Oolong, non! Ne meurs pas! Ça, c'est trop stylé en vrai là. Oh, avec la fumée qui bouge là en fonction de tes mouvements. Ah ouais, il me fait une Malenia. Ouais. Je suis empoisonné. Je suis empoisonné. C'est quoi déjà le truc pour soigner du poison? C'est ça. Merci. Ouais.
J'essaie de me soigner depuis tout à l'heure, ça veut pas. J'ai attendu. Hein. J'ai spammé le bouton de soin, mais ça s'arrête jamais, vu qu'ils sont 3 ou 4 à m'attaquer. Ah putain, faut tout recommencer. Ah ouais. Ah ouais. Alors par contre, je crois que j'ai noté un truc. Il me semble que tu récupères toute ta mana, hein, entre les deux combats. Si je dis pas de bêtises. Ah, ça sauvegarde la deuxième phase. Ok. J'allais dire, c'est un peu dur quand même. C'était pas infaisable, mais c'est quand même compliqué, quoi. Je l'ai pas eu. Oh ce bordel! Par contre, c'est très stylé la fumée qui bouge en fonction de tes mouvements. Je pense que la PS5 elle va cracher ses poumons, mais. C'était stylé le délire d'être dans la bourse du méchant. Au revoir chef macaque, j'ai voulu être ton frérot, t'as pas voulu. On est sur PS5 là. Le mec qui nous regarde en haut là, on dirait toi quand t'étais gamin que tu jouais avec tes gendarmes ou tes escargots. Battez-vous! Moi, je pense pas qu'il l'ait planté. J'ai peur pour Oolong. On est lui, bordel, qu'est-ce qui se passe? Je suis le chef macaque désormais. Bon,
Bon, en tout cas, il se passe des choses originales hein, sur ce combat de boss, c'est sûr. Ah, d'accord. Ça me fait péter la gueule. Ouais, j'avoue que je m'attendais pas à ce genre de phase dans un jeu comme ça. Let's go. Tu fais quoi là? Je crois qu'il allait me bousiller la gueule. Ah, ça passe à travers les poteaux, bien sûr. Alors, je ne peux pas loquer mes ennemis. Hein. Ah, je deviens de plus en plus fort. J'envoie des ondes. Incroyable. Bonjour à tous. Ça, c'est con. J'ai la migraine au moment où on m'attaque. J'ai des ailes maintenant. C'est fou. Je me fais bousiller la gueule. Alors par contre j'avoue j'ai pas capté pourquoi je me suis transformé en chef macaque. Hein. Oh là là, mais toi. Oh, l'animation de course me détruit. Je me suis chié dessus, Jamie. Merci Rémi Barre pour le 6e mois et donc la triple carotte. Et ce jeu est très sympa. Hein. Pour cette phase-là, j'ai l'impression d'être une sorte de poupée dans une maison de poupées, mais j'aime bien. Je m'y attendais. C'était un bon jeu. C'est ça, on dirait qu'ils cherchent les chiottes sur une aire d'autoroute. Oula. Ah. Wow, il m'a mis midlife. Ah ouais. What? Putain, le bâtard, il a mis un buff. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Il m'a pété la gueule. Oh, les dégâts qui calent par contre, mec, c'est un délire. Oh la vache. Oh,
putain. Il est doré, je peux pas l'attaquer. Il faut arrêter d'être doré, monsieur, maintenant, là. Ça suffit. Ah, c'est pas juste, hein. Là, pour le coup. Ah, c'était scripté à tous les coups, j'ai utilisé ma transformation au moment où c'était scripté, je suis deg. C'est pour ça que je pouvais pas l'attaquer. Oh la tristesse. Je crois que c'était ça, hein. Ouais, c'est pas juste. Là, c'est assez unfair. Hein. Là, c'est assez unfair pour le coup. Toutes les phases scriptées dans ce combat qui t'empêchent de le taper. Sensation d'unfair là pour le coup pour ce fight. À moins qu'il y ait un truc que j'ai pas compris avec son... avec son truc doré. J'ai pas capté hein, son truc doré, je vois pas comment le debuff. Ah, pour moi, faut juste le tabasser, ouais, voilà. Je pense qu'il faut juste le tabasser. Par contre, la mise en scène est ultra stylée. Hein. T'as vraiment l'impression de te battre contre un god là. Ouais, je pense qu'il faut lui faire un coup fort en fait. Ok, il est empoisonné. Je suis tellement dans la merde. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie.
Faut le tabasser les gars sinon on crève hein. Mettez tout parce que sinon on va mourir. Ouais j'aurais essayé. Bon ça va en soi quand tu comprends qu'il faut le défoncer à coup puissant, ça va, ça va. Non. Allez, on laisse pas tomber, hein. Allez, on garde le moral. Et boum. Tiens, je suis doré aussi, moi. C'est marrant. Et boum! Attention, on joue aussi. Hein. Ok, il me fait son premier script à la con. Combien d'heures de jeu? 15, je dirais. Oh le petit salaud. Il se fout de ma gueule en plus hein. Attention à ça. Putain mais ça à chaque fois ça me défonce la gueule. Come on. Mettez tout les gars, mettez tout! Baisez-le! J'espère que ça va pas gâcher les clones. Les clones sont plus là. Merde. Quoi? Ah, c'est fini là.
C'est fini. Oh sa mère. Merci Dame le Ouf pour le 10e mois. Le roi Seven mérite ce soutien. Bon timing là, merci. Bon, c'est pas le plus dur qu'on ait affronté, mais ils l'ont bien sacralisé, je trouve. Ils ont fait une très bonne mise en scène, hein. C'était pas dégueu, ça. C'était ultra bien foutu, le délire de nous foutre dans la bourse et tout, et de faire le combat en plusieurs parties. Puis surtout, de l'introduire en tant que gosse tout au long de... du chapitre, en fait. Ils l'ont bien sacralisé, le boss. C'est fini, bro. Merci pour les GG. Ah, tu vas te faire bouffer par un truc. Donc toi, t'es le vrai enfant au gros lobe d'oreille. Ah. Il s'est fait chouraf sa bourse. Ouais, bien sûr, Petit, c'est toi qui fais 1m10. Bon, par contre, je confirme le personnage de gauche, trop bien. Ah oui. Ah, c'est pratique, ça. Oh, il va affronter Ganondorf de Twilight Princess. Axiul s'est fait voler son râteau. Ouais, donc ça, c'est le monstre. C'est la créature qu'on avait vue tout au début du chapitre sous le lac. Oh, la DA du jeu, mec. Oh là là. Typiquement le genre de connerie que j'aime bien, ça. Ah, petite animation de fin de chapitre. Mais du coup, je pense qu'on a raté pas mal de choses hein, dans le monde de la neige. Pourtant, j'ai essayé de tout explorer, hein, donc j'y retournerai en off. Mais... J'ai chopé un gros poisson, on peut le dire, là. C'est le nouveau Miyazaki! Ah, bah bon timing, ouais. Au même moment, sur le chat, j'ai dit on dirait un Ghibli. Bon, par contre, pour le moment, rien ne surpasse l'animation et la musique du... de la première animation. Celle du... entre chapitre 1 et 2.
C'est juste qu'on n'a jamais eu de game sur la mythologie chinoise, c'est rafraîchissant de dingue. Bon, on en a eu, hein. On en a eu quelques-uns, je regardais un petit peu la page wiki de la pérégrination vers l'ouest. On en a eu, et c'est pas seulement ça en fait, c'est que vraiment je trouve qu'ils ont vraiment su s'approprier l'histoire et en faire une bonne DA. Parce que tu pourrais reprendre l'histoire, tu vois, et en faire de la merde, hein. Je trouve qu'ils ont vraiment assuré dans la DA. Au niveau de la représentation des créatures. L'avarice de l'homme, les perles. Encore une bonne musique. Il a pris cher quand même le monstre. Il a pris très très cher. Il s'est fait massacrer le pauvre. <笑>说人话，这回我赢了金蝉子。祸乱人心，道果为因。师兄如此执着输赢，可笑，可悲。 L'animation était folle, hein. Fin du chapitre 3. Eh ben, c'était un bon chapitre. J'ai vraiment bien aimé comment ils ont introduit et enfin, comment dire, la narration autour du boss final, en fait. D'apprendre que depuis le début, c'est le gamin. Puis le combat en lui-même. Bon, les patterns, voilà, bon, c'était bien, mais sans plus. Mais surtout, la mise en scène. La manière dont ils l'ont sacralisé et rendu puissant. C'était cool. C'est quelque chose que j'aime bien dans les Souls. Enfin, même dans les jeux vidéo en règle générale. J'en avais parlé un petit peu pour Dark Souls 3. Avec Midir, j'avais bien aimé le fait qu'il t'introduise le boss et que tu le vois plusieurs fois avant de l'affronter. Tu te dis, putain, il est présent quand même dans le lore, tu vois, dans l'histoire, dans l'aventure, et ça le sacralise. Alors, petite étincelle, bien sûr. Et depuis le début, c'était sourcil jaune. Dire que tu as fraudé, on le rappelle. Alors pour le coup, quand on l'a refait en live, je l'ai pas fraudé. Et c'est lui qui s'est fraudé tout seul, hein. Excusez-moi, mais... Ah,
J'ai pas trouvé la pilule, la quête du dragon avec sa pilule, ouais. Alors peut-être tu as manqué la quête du dragon avec sa pilule, de la pastèque et de la renarde. Donc il y en a trois qui me manquent. J'essaierai de les faire en off ou alors je retournerai un peu en arrière. Après c'est vrai que les quêtes annexes dans les Souls, moi ça m'a jamais trop fait kiffer. A voir les récompenses que ça donne. Mais la quête du renard, j'ai pas capté. Hein. J'avoue, je comprends que je peux me transformer en renard quand je veux, mais... Je les ferai en off, écoutez. Hein. Ou alors au début du prochain live, je sais pas. Mais pour le moment, c'est cool, il n'y a pas un chapitre que je mets en dessous des autres. Les trois, franchement, je les ai vraiment bien aimés. Je réfléchis, mais... C'était peut-être un peu trop labyrinthique, la zone de la neige. C'était peut-être un peu trop grand pour pas grand-chose, parfois. Mais sinon, c'était très cool. La zone était super belle. Alors, ça pourrait être quoi? Pommette rosée, cheveux gris. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il nous manque le délire de la forêt rouge ou de la forêt avec une couleur originale. Ou le délire des marais dégueulasses grisâtres. Ou... Effectivement, la zone de la lave chaude. Il nous manque la fameuse zone du feu. Aïe, 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 ça sent les marais de con. Une montre religieuse, quoi. La zone neige, elle manquait d'une map. J'avais galéré avec tous ces chemins. Ouais, ouais. Une map, je sais pas, mais en tout cas, elle était un peu grande. C'est un sketch de Marc-Antoine Lebray, Team Z. Sur On n'est pas couché. Je saurais pas te dire lequel exactement, mais ça vient de là. Il n'y a pas eu les tropiques. Après, je suis pas sûr que ce soit le genre de jeu où il y a les tropiques. Bah, je ferai la quête de la pilule alors. Bah, j'espère que je peux toujours la faire. J'espère que je peux toujours faire les quêtes du coup du chapitre précédent. Pourtant j'ai essayé de tout explorer. Hein. Une waifu. Eh bien écoutez, c'est une zone encore bucolique de la forêt. Tant mieux. C'est les meilleurs. Après, attendons de voir. Ça sent les marais de con en bas. Hein. Ouais, c'est dur de se repérer dans le chapitre 3. Ouais. C'était très grand, dirons-nous. Ambiance, les petits insectes et tout. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un checkpoint, s'il vous plaît? Ah oui, imitation de Jean Reno, ouais, oui, effectivement. Ça me revient.
Village de Longxi. Ouais, c'est quoi ça? Ouais, je m'attendais pas à ce genre d'environnement, tu vois. Qui remettent une forêt. Oula. Quoi? Oh putain. Oula, c'est quoi cette merde? Ça vole. Attention. Ah non, c'est pas du tout dégueu sur PS5, hein. Pour le coup, sincèrement, c'est pas dégueu du tout. Oh putain, t'es sérieux? C'est quoi cette merde, hein? C'est tout? Un truc qui nous attaque là. Faut être stag, monsieur, un peu là. Il est où mon pote là depuis tout à l'heure? Ah, il est là. Il se fait enculer le pauvre. Oh! Une grosse mythe! Une grosse fourmi! Bon, et bah dis donc, les mobs de cette zone, ça va être quelque chose. Hein. De toute façon, on fera un retour arrière, hein, je te le dis. Clairement. Bon. C'est abusé là, ça commence déjà, il y a deux chemins. C'est, on se fait Lord of the Fallen et la gueule, je ferai Witcher 3 un jour, ouais. Ouais, ouais, c'est prévu. Il faut... Ouh là là, l'étoile d'araignée, mon pote. Ah ouais. Caméra 2, s'il vous plaît. On voit rien. Oh. Pilule septuple de l'âtre. C'est un remède.
Putain, y'a que des trucs légendaires là. Incroyable. Eh bah dis donc. Ouais, les grosses toiles d'araignée, ça me fait dire que... La dernière fois qu'on a vu ça, c'était dans Dark Souls 2. Et le boss final de la zone, c'était une putain de grosse araignée. Allez, enjoy. On va se faire baiser. Can I have a checkpoint, please? Oh putain, ça sent les conneries d'araignées. Ça sent les saloperies d'araignées de merde. Merci Guillaume pour le quatrième mois. Ok, bon. Merci de vous régaler, de nous divertir. Force à toi et bon stream à tous. Bah merci à toi. On va s'arrêter sur cette belle note. Merci beaucoup pour ce prime. On est à 4 heures de live, on va y aller. Moi je vais vous dire à lundi. Je pense pas que je pourrais stream dimanche. Donc je vais vous dire à lundi, et puis on essaiera du coup de retourner en arrière pour faire les quêtes, enfin là où les deux quêtes, peut-être pas toutes les quêtes annexes qu'on a ratées dans la neige, ou alors je le ferai en off, je sais pas, mais en tout cas on continuera Wukong je pense, parce que j'aime beaucoup, j'ai pas envie de stop, mais il faut s'arrêter. Des bisous, merci d'avoir été présent, et à lundi, bon appétit, bonne soirée. D'accord. 喜欢些香的燕子都是过过眼瘾。